Attention Maxwell, Maxwell peut-être le ballon petit par-dessus, on a du mal à le mettre au fond et ça y est. Et le dernier du score pour le Paris Saint-Germain. Cavani extérieur. Et c'est Edinson Cavani, effectivement capitaine, qui met le pied pour pousser ce ballon au fond des filets. On ne sait pas le plus compliqué des buts qu'il a inscrit sous ses couleurs parisiennes. Mais qu'est-ce qui va être important pour le moral celui-là, pour Edinson Cavani? Lucas, le contrôle de Lucas de la tête, la sortie d'Anthony Lopez et Lucas qui reste au sol. Tout le bon parisien qui se lève comme un salope. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Pénalty indiqué là par Stéphane Lanois. Que Cavani vient de poser le ballon, la course élan de l'Uruguayen. Et c'est dedans. Le doublé d'Edinson Cavani. Et le Stade de France, en tout cas, la très large moitié rouge supportrice du Paris Saint-Germain qui explose. 2-0 pour Paris. Et la récupération d'Alexandre Lacazette qui va plus vite que tout le monde. La frappe de Lacazette. Oh, quel but! Quel but d'Alexandre Lacazette! L'accélération supersonique, la frappe du droit à rater parfaitement placée pour venir battre Nicolas Duchesne. Et Lyon qui se relance, Lyon qui n'a pas perdu, Lyon qui réduit l'écart en table d'affichage. 2-1, but magnifique de Lacazette. C'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Et donc le deuxième trophée du PSG cette saison après le trophée des champions. Et sans doute parmi les trois titres qui vont arriver avec le titre de champion de France, la quatrième coupe de la Ligue de l'histoire du Paris Saint-Germain. Énorme soulagement dans les rangs parisiens.